Yo tout le monde, c'est Karyang. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo un petit peu spéciale, en fait. C'est pour vous montrer un petit peu tout ce qui est un petit peu nouveau actuellement sur le Xbox Live de la Xbox One. Donc là, nous allons voir les nouveautés, c'est-à-dire Netflix et l'EA Access. Donc il y aura sûrement peut-être deux vidéos différentes. Tout d'abord, je vais vous montrer comment trouver le Netflix sur la Xbox One. Donc c'est pas très compliqué, hein. Il faut juste aller dans les applications, en fait, dans les applications, et vous allez chercher dans les applications, vous la téléchargez et tout, et donc votre application se met ici. Et donc après, une fois que vous avez lancé, une fois que vous avez lancé ça, voilà, ça se lance. Et donc, vous avez la possibilité de choisir deux sortes de comptes, en fait, si vous avez des enfants, comme moi. Moi, j'ai une fille, et bientôt une deuxième. Et donc, voilà, vous avez le mode kid et le mode enfant. Et donc, là pour l'instant bah, c'est moi qui regarde, donc bah, je clique dessus, hein. Bah, je vais vous faire montrer le coin enfant, et ce que c'est super pratique, c'est super pratique carrément. Donc il n'y a pas de film, c'est que pour les enfants. Donc il y a vraiment de tout, hein. Vous pouvez regarder, il y a du Pac-Man, il y a du Toy Story, il y a du Barbie, il y a du Mia, il y a vraiment plein de trucs pour les enfants et tout, et c'est vraiment excellent. Donc bah, pas besoin de télécharger, hein, je veux dire illégalement quoi. Et donc il y a vraiment bon, c'est vrai qu'il y a des dessins animés qui datent un peu, mais bon, personnellement il y a des dessins animés qui sont un peu de ma génération, et franchement ils sont vraiment excellents, hein. Donc voilà, il y a vraiment des trucs vraiment sympas. Et je trouve vraiment ce système vraiment excellent, et ça coûte pas spécialement super cher. On va dire que voilà, ce système coûte à peu près dans les 8-9 euros par là, et le premier mois est gratuit. Donc là, bah, là c'est gratuit en fait actuellement. Et donc il suffit juste, vous voulez regarder, je sais pas moi, vous voulez lancer. Voilà, on va lancer Pokémon. On va lancer Pokémon. Allez-y. Allez-y. Et donc, voilà, il y a des saisons. Il y a des saisons, et on peut choisir la saison 1, saison 2, et choisir l'épisode. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Il y en a plutôt pas mal. Et donc, en fait, bah, il suffit de cliquer dessus, et ça se lance. Vous allez voir, un petit peu de chargement. Mais voilà, rien de. Vous voyez, ça se lance. Et le tout en HD. Tout est en HD en fait. Le monde des Pokémon. Oui. Donc, un monde grouillant, je vais pas des vous plus montrer, c'est pas ça que je vais vous faire montrer, mais voilà. Peuplant la terre, c'est vraiment. La mer et le ciel. Voilà. Quel que soit l'endroit où l'on est, il y a de fortes chances que des Pokémon s'y trouvent aussi. Vous pouvez voir la qualité. Tiens, par exemple, la qualité est impeccable. Dans la région de Kanto, où habite un y a jeune pas garçon de. de 10 ans. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez faire ça tout avec, bah avec tous les dessins animés que vous pouvez trouver, hein. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais vous mettre l'option quitter les kids. Parce que je pense que bah, y a les adultes aussi qui regarderont ça. Et donc, il y a les séries aussi. Il y a les séries, il y a les films, il y a les documentaires, il y a des films. Et donc voilà. Donc là, je suis dans la partie voilà, adulte. Donc il y a les plus gros succès de Netflix. C'est-à-dire que les gens qui ont regardé sur Netflix. Le plus, bah le, on va dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont regardé Power Rangers, quoi. Il y a beaucoup de personnes. Donc il y a eu du Patson, je connais pas Patson, je sais pas c'est quoi. Donc il y a de la comédie, il y a Very Bad Trip, et vous pouvez lancer directement tous les trucs en fait. Il y a du Batman Dark Knight. Vous avez du Naruto, vous avez les films de Naruto, vous avez le film 2012, Star Trek, et donc voilà.
Et je trouve ça plutôt pas mal. Vous avez Rocky 4. Ouais, je crois que c'est 4. Ouais, 4. Et donc, vous avez la planète des singes. Et franchement, je trouve ce système vraiment excellent. On va dire que c'est une alternative, on va dire, pour le téléchargement, quoi. Voilà, pour les gens qui ont un peu peur par rapport au téléchargement ou quoi que ce soit. Et donc, voilà. Et je pense qu'il y aura des petits malins qui vont penser qu'il y a des films adultes. Hélas, pour ces personnes, il n'y en a pas. Voilà. Donc, vous pouvez voir, il n'y en a pas du tout. Voilà. Il n'y a que romance, trailer d'action, drame, cinéma d'auteur, SF, film indépendant, nouveauté. Donc voilà, chaque jour il y a des nouveaux, trucs, des nouveaux films mis en fait. Et donc voilà, donc c'est pareil pour les séries, il y a les systèmes de saison. Et si vous voulez regarder Breaking Bad, je crois qu'il y a 4 ou 5 saisons, et ben, vous pouvez les regarder d'affilée, il y a pas de souci. Et donc voilà. Donc ben, j'espère que cette petite vidéo voilà, de découverte de Netflix sur Xbox One, et il est possible de le télécharger sur PS4, Xbox One, Xbox 360 et PS3. Et bien sûr, chaque console, voilà, quand vous payez une fois, vous pouvez le télécharger. Et ça sera voilà, un compte pour 4 consoles, quoi. Donc c'est ça qui est très très bien, je trouve. Et donc voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss! Si tu as aimé ma vidéo, un petit pouce vert et au pire, abonne-toi. Allez, tchuss, à la prochaine.